l'ancien qui remplace directement la deuxième avec le pixel qui va nous parler. Et je rôle si j'estime dans les processus. Mon intervention, et je vais essayer de tenir les délais, c'est très important pour ceux qui vont suivre, porte sur le rôle des GSTEM. Alors, qu'est-ce que c'est que les GSTEM? C'est pas forcément très facile à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas ou peu la praxéologie. Les GSTEM sont, pour aller vite, hein, tous les gestes que les pratiquants, les sportifs peuvent faire dans un but de communiquer. Je fais un certain nombre de gestes ici, mais si je ne parle pas, ils ne servent à rien. Donc on va voir que dans le monde du sport, et j'ai choisi les sports collectifs de haine, les sports d'équipe en basket, foot, tennis de table, par équipe, ou badminton par équipe, ou tennis par équipe, hein, c'est-à-dire en double, et le type de communication qui peut s'instaurer entre les participants. Alors, ça c'est l'introduction, c'est un petit extrait, je ne vais pas vous le lire en entier, ou le temps que je parle, vous aurez peut-être le temps de le lire, mais l'idée était celle-ci. En 1971, en alpinisme, il s'est passé un drame. Deux alpinistes essayaient de franchir un mur très connu, très célèbre, une paroi très célèbre dans les Alpes, et l'un des deux est décédé. Et il y a eu un problème de communication entre l'un des deux alpinistes, qui est assez célèbre, qui s'appelle René Desmaisons, et l'hélicoptère qui venait sauver ces deux alpinistes, dont un est mort de froid. La communication passait par des gestes. Et en fait, il y a eu un défaut de communication entre l'alpiniste et les membres, et le pilote notamment. Ils ne se sont pas compris. Cet alpiniste a fait un certain nombre de gestes qu'il pensait être un code précis, clair, que pouvait comprendre le pilote. Et le pilote a appris à interpréter ces gestes d'une façon totalement différente. Tout va bien, on est près du sommet, on n'a pas besoin de secours. L'hélicoptère est reparti et il n'a pas pu revenir parce que le temps était très très mauvais. Et un des deux alpinistes est décédé. Alors, on est très loin dans les sports collectifs de ce problème de l'alpinisme. Il y a eu un échec tragique, il y a eu un mort, les personnes ont confondu des codes, ne se sont pas compris. Et par contre, cet alpiniste posait bien la question de comment se comprendre, comment partager le même code, comment être d'accord sur le code, puisqu'on ne pouvait pas se parler. Donc, moi je vais parler des sports dits d'équipe, où l'échec n'est pas grave. Si on ne se comprend pas, c'est pas grave, il n'y aura pas de mort. Au sein d'une même activité, donc on est censé, normalement, on partage les mêmes codes. Et l'entraînement va permettre de partager les codes. Et le terme spécifique que l'on utilise nous en praxéologie n'est pas le mot geste, mais le mot gestème. Donc je vais tenter de parler de ces gestèmes parce que en praxéologie, c'est une classe d'actes qui a encore été peu exploitée. Alors je m'explique, puisque Pierre Parlera est là. Les premiers travaux portent sur les signes des arbitres. Vous savez que dans les sports collectifs, les arbitres font un certain nombre de signes. Faute, carton, marché, handball, etc. Et le code de la plongée sous-marine aussi. Vous savez qu'en plongée sous-marine, il y a une codification particulière. Tout je monte, je descends, tout va bien, j'ai plus d'air, enfin, etc. Donc ça, ce sont les codes qui ont été travaillés, explorés, mais pas encore véritablement les codes dans notamment les sports collectifs, mais pas que. Donc c'est ce que je vais explorer ici en proposant une première définition que j'emprunte à Pierre Parlebas. Classe d'attitude de geste accomplie dans le but de transmettre. Il s'agit de transmettre une information ou une injonction tactique. Et donc on ne dit pas geste, mais gestème, parce que ça renvoie à des classes de signification, et ces significations sont propres à un jeu donné, à un sport donné. Bon. Si je fais ce geste-là en dehors, parce que je suis piéton ou que j'appelle quelqu'un, c'est un pur geste. Dans une pratique, dans une discipline sportive, puisque ça renvoie à un code particulier, à un règlement particulier, on appelle plus ça geste, comme dans la vie classique, habituelle, on appelle ça gestème. Donc, on va s'intéresser au gestème. Alors, ils font partie de ce qu'on appelle les interactions. Je vais aller très très vite, vous voyez, gestème tout au bout là-bas. C'est un type d'interaction qui,
dans toutes les actions possibles dans un sport collectif, par exemple, hein, renvoie à une catégorie très 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 particulière. C'est cette catégorie qu'on va explorer maintenant. Le gestem, la particularité, c'est que le gestem n'est pas l'action. Le gestem n'est qu'un acte qui va préparer l'action. Et c'est un acte qui va donc, qui relève déjà lui-même d'un certain nombre de décisions, et qui va engager les décisions de la part des autres participants. Hein, c'est un acte un peu clé, en quelque sorte, soit commande, soit injonction. Donc, le gestem, il renvoie... Alors, il y a plusieurs codes, hein, il y a plusieurs types de gestem. Vous prenez l'avion, pour que l'avion puisse bien, sur la piste de tarmac, aller se garer, vous avez un certain nombre de personnes, des placeurs, qui font des gestes à l'avion, avance, mets-toi à droite, tu es bien arrivé, etc. Donc il y a plein de types de communication, j'en ai mis quelques-uns, la langue des signes, les Indiens parlaient par geste, hein, les Indiens d'Amérique du Nord parlent par geste, etc. Des gestes. Et puis nous, on va s'intéresser donc à cette façon de transmettre de l'information, donc ce qu'on a appelé une sémiologie de la communication, transmettre quelque chose. Alors, je me distingue d'un certain nombre d'autres travaux qui sont aussi produits en praxéologie. Je ne suis pas d'accord avec d'autres praxéologues. Tous les praxéologues ne sont pas forcément d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des débats au sein de la praxéologie. Alors, c'est ça qui est intéressant, on ne fait pas que répéter, on se pose des questions aussi. J'ai quelques collègues français qui ont analysé aussi les mouvements d'humeur, les émotions. Je suis joueur de tennis, je mets la balle en dehors du court, je m'énerve. Je jette ma raquette, je me tape sur la cuisse, etc. Ce sont de simples gestes émotionnels. Ces gestes-là sont des gestes expressifs. Mais ce ne sont pas des gestes qui sont produits pour transmettre une information. C'est une simple expression. Donc ces gestes font partie d'une sémiologie de la signification, de l'expression. Ce qui ne m'intéresse pas moi ici. Moi, je me centre uniquement sur les gestes, ceux qui sont chargés de transmettre ou d'induire un comportement. Donc, très ciblé en direction de quelqu'un, et pas seulement des expressions comme ça, d'humeur ou d'émotion. Donc, les caractéristiques, les gestes sont organisés, il y a des liens entre eux, parce que ça renvoie à un code particulier, le code du jeu ou du sport. Ils sont liés entre eux, ça fait en quelque sorte un peu système. Il spécifie des conduites, on va voir qu'à tel gestem correspond telle conduite. Hein, pour l'instant, disons comportement. Tel gestem correspond tel comportement. Il existe une relation directe, qu'on peut appeler une indexation, entre le gestem émis par un joueur, on verra, ou par l'entraîneur, ou par certains types de joueurs, pas tous, ça dépend, entre ce gestem-là et ces comportements ou ces conduites que l'on appelle, nous, en praxéologie, des sous-rôles. Les sous-rôles, c'est assez simple, ce sont les actions possibles. Courir, tacler, sauter, bloquer, parer, contrer, passer, plaquer, ça ce sont des sous-rôles. C'est le type d'action motrice possible dans un jeu donné, dans les règles permises par le jeu donné. Je ne peux pas prendre la balle à la main au football, sauf si je suis gardien de but. Et cette relation, elle est très précise, c'est ce qu'on appelle une bijection. Donc l'illustration, c'est ça. C'est tout simple, hein. Il y a un ensemble d'arrivées qu'on appelle Y, enfin ce sont les sous-rôles possibles, et à chacun de ces sous-rôles ne correspond qu'un et un seul gestem. C'est-à-dire qu'il faut que la communication soit très précise. Un même gestem ne peut pas induire plusieurs types de comportements. Il faut que la communication soit extrêmement rapide pour que la prise de décision des joueurs soit extrêmement rapide. Donc un gestem, c'est très économique, c'est très efficace et c'est très furtif. On ne peut pas rester longtemps comme ça à faire des codes et des signaux pendant que le jeu est en train de se dérouler. Il faut que ça aille très très vite. Les annonces, les codes, les annonces, vous connaissez tous au basket, hein, le meneur de jeu qui annonce point ou un ou deux ou quatre, une maison. Les volleyeurs, il y a une fauteur, les volleyeurs qui derrière indiquent par des signes. Tout ça doit être très rapide parce que l'adversaire n'attend pas. Bon. Les joueurs de tennis de table, on va donner des exemples. Donc il y a une relation très précise, un et un seul. À un de l'ensemble d'arrivée correspond un et un seul, pas plus, pas moins, un et un seul de l'ensemble de départ. Bon, c'est l'illustration. On peut distinguer deux types de gestes. Les gestes qu'on appelle, alors en référence à la linguistique, hein, les gestes motivés. Viens vers moi, ici. Donc là, tout le monde comprend, ou un signe de tête.
passe par ici. Ça, tout le monde comprend. Ce sont des gestes motivés qui renvoient à nos attitudes et qui ont un lien naturel, on dit naturel. Il y a un lien assez direct entre ce que j'exprime et puis ce qui va être fait. Et puis, il y a des gestes dits arbitraires, pardon. Il n'y a pas de lien entre quand le meneur de l'équipe de basket fait ça, il n'y a aucun lien entre ça et la stratégie qui va suivre, les prises de décision des joueurs. C'est totalement arbitraire, il fait ça, mais dans une autre équipe, la même stratégie peut être ça. Dans une autre équipe, ça peut être ça. Dans une autre équipe, ça peut être le bras de côté. Vous voyez, il n'y a pas de lien. Ces gestes arbitraires, c'est un peu le code secret de chacune des équipes. L'autre équipe ne doit pas connaître ça. En revanche, les membres de la même équipe s'entraînent hein, et sont habitués à ces signaux, ce sont des signaux, et en fonction de ce signal qui est émis, la prise de décision qui a été faite, je dois moi aussi appliquer le schéma tactique qui correspond à ce geste. C'est obligatoire. Alors voilà, se gratter l'oreille, se mettre la main sur la tête, ou des signes, des numéros, des 1, 0, etc. Ça peut être plus complexe, hein. Au volleyball, on peut utiliser deux. Hein. Souvent, c'est les mains et les doigts, souvent. Bon, j'ai commencé cette analyse, mais c'est assez complexe pour le moment. Alors qui dans le processus décisionnel, qui est l'émetteur et qui sont les récepteurs? L'émetteur, ça peut être l'entraîneur. Hein, ça se fait beaucoup dans nos sports collectifs, nous, de ce côté-ci de l'Atlantique, mais aux États-Unis, c'est souvent l'entraîneur. L'entraîneur qui, par des gestes, hein, au football américain, au baseball, indique la tactique et donc les sous-rôles qui vont enchaîner. Soit ça peut être le meneur de jeu, basket, handball, voilà. Soit ce sont les joueurs entre eux. Et là, c'est par binôme. La commande n'est plus collective, c'est par binôme. Je basket, je vois le dribbleur, mon coéquipier, je viens bloquer, je lui fais signe de passer par là. Et là, ce sont des relations en binôme, à deux, qui n'intéressent pas forcément toute l'équipe. Alors que lorsque le meneur déclenche un geste, c'est toute l'équipe qui est concernée et qui doit appliquer la stratégie adoptée. Alors, je vais aller très très vite parce que ça, ce sont des propositions. C'est-à-dire que ça peut parfaitement être remis en cause. Ce sont des propositions. Bon, j'en ai établi six. Et ça rejoint la communication de Raoul hier sur les aspects juridiques. Le gestem n'est pas performatif. Le gestem, c'est un acte, mais qui peut rester vide. C'est un acte qui n'est pas obligatoirement suivi de conséquences. Le gestem n'est producteur d'effets voulus qu'à certaines conditions. Mon gestem doit être perçu par tout le monde. Si un ou deux ne perçoivent pas, la tactique mise en place s'effondre. Donc il faut être très attentif. Il faut que l'émetteur du gestem soit bien percevable. Il faut que ça soit clair. Troisième, un gestem suivi d'effet, on dit heureux, hein, c'est les termes d'Austin, n'est pas automatiquement efficace. La stratégie qu'on met en place, le processus décisionnel, par cette annonce, est déclenché. Mais il n'est pas forcément efficace. L'équipe adverse, les joueurs adverses, peuvent nous faire déjouer, comme on dit. Donc ça n'a servi à rien. Normalement, ça doit nous aider, et peut-être que ça n'a servi à rien. Alors on va voir qu'il faut reprendre le flux des sous-rôles et le flux des praxèmes aussi. Donc le geste efficace combine le bon geste, la bonne compréhension, la bonne effectuation et l'efficacité terminale. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre comme ça d'étapes qui doivent être validées pour que le but du jeu, par exemple marquer un panier ou marquer un but, soit atteint. Donc, la réussite de l'action motrice n'entretient pas de rapport direct avec le gestem. Le gestem est ajouté. C'est ajouté. C'est une condition d'efficacité, mais ça n'est pas un synonyme de l'efficacité. Et je considère que le gestem est une ponctuation. Dans le cours du jeu, le gestem, ça vient segmenter, ça vient ponctuer, comme dans une phrase, une virgule, ou un point-virgule. Ça segmente le flux du jeu. Et normalement, ça rend le jeu intelligible pour les partenaires. Et opaque, c'est-à-dire qu'on ne peut, l'adversaire ne peut pas normalement décoder. Donc ne peut pas associer tel geste à telle action, donc est exclu du processus de la chaîne décisionnelle, normalement, si c'était le cas. Alors il y a une particularité des gestes par rapport à d'autres gestes sportifs. Il y a une particularité. Pierre Parlebas, dans des travaux qui datent maintenant, mais qui sont toujours d'actualité, part
des travaux du linguiste Roman Jacobson. Je ne sais pas si vous connaissez Roman Jacobson, c'est un linguiste qui associe au langage un certain nombre de fonctions. 6 fonctions, la fonction phatique, la fonction cognative, la fonction exprimée, un certain nombre de fonctions. Et les travaux de Pierre Parlepas montrent que l'action motrice propose d'autres fonctions, notamment la fonction que je vais un peu explorer maintenant, c'est la fonction dite antagoniste. Au football, au basket, au handball, au tennis de table, au badminton, on a des adversaires. Et ces adversaires font tout pour contrer notre flux moteur, en quelque sorte. Ça n'existe pas dans la langue. C'est autre chose. Quand on parle, c'est les mêmes canaux, c'est les mêmes types de signification, c'est les mêmes signes, etc. Là, c'est autre chose. Cette fonction antagoniste, elle va peser, elle joue un rôle très important dans l'utilisation des praxèmes. D'abord parce que, alors pour 3 raisons, hein, ce sont les 3 raisons qui viennent. Voilà. D'abord parce que, comme je venais de le dire, l'équipe adverse ou les joueurs adverses peuvent nous faire déjouer. Le gestème prévu n'aboutit pas parce que l'adversaire, soit l'a compris au bout d'un moment ce que voulait dire ce geste, et qu'il donne une telle stratégie, soit pur hasard. Un des joueurs adverses ne joue pas le rôle attendu par la stratégie et la tactique appliquée. Par hasard. Donc le gestème, là, s'écroule. Il faut reprendre un jeu et reponctuer éventuellement avec un autre gestème qui éventuellement annonce une autre combinaison. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a des gestèmes trompeurs. Il y a des gestèmes dans certaines équipes, notamment dans les équipes nord-américaines, au baseball et au football américain. Il y a des gestèmes qui sont destinés à tromper les adversaires. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, c'est le dernier point, il y a une activité d'espionnage. Et récemment, il y a 15 jours, dans le championnat de baseball, une équipe décodait les gestes d'un des joueurs, le receveur, le catcheur, celui qui est derrière le batteur, vous voyez, celui qui a le gros gant, qui est derrière le batteur, décodait les gestes, et grâce à leur montre, je ne donnerai pas la marque, mais elle s'est fait une publicité avec ça, grâce à leur montre, arrivait à envoyer le type de stratégie en direct, pendant le jeu, il y a 15 jours, 3 semaines, ce qui est normalement interdit. Donc il y a une activité de décodage déloyal, et donc, deuxième point, il y a une activité de gestème trompeur. C'est-à-dire qu'une équipe peut très bien, ou un joueur de l'équipe, ou un entraîneur, peut très bien émettre un gestème qui est destiné à tromper l'équipe adverse, donc sa propre équipe ne doit pas en tenir compte. Tromper l'équipe adverse pour que l'équipe adverse prenne des décisions mauvaises, parte dans une mauvaise stratégie, son équipe sachant que c'est un faux gestème qui est destiné à tromper, mais que le véritable gestème va suivre. Donc, les équipes nord-américaines ont une organisation de leur propre gestème. Tout ça pour tromper l'adversaire. Parce que ce sont des jeux particuliers, et je vais arriver pratiquement à la conclusion. Ce sont des jeux particuliers, les jeux nord-américains. Alors, je propose quelques pistes, les sports collectifs nord-américains, notamment. Je propose quelques pistes. Il y a 40 ans, 1977, il y a 40 ans, Pierre Parlepas écrivait que l'utilisation du gestème en sport collectif, donc en basket, foot, baseball, football américain, correspond à une maîtrise insuffisante de la communication praxique. C'est-à-dire que, parce que dans le jeu, les joueurs, au bout d'un moment, ne sont pas capables, ou pas assez capables, de communiquer uniquement en interprétant les actes d'autrui, que l'on cède avec ces fameux gestèmes. C'est une aide. En fait, aujourd'hui, 40 ans plus tard, on s'aperçoit que ces gestèmes prennent une importance de plus en plus grande. Je suis handballeur. Il y a 30 ans, 40 ans, on n'utilisait pas les gestèmes arbitraires. On n'utilisait pas ça. Donc c'était ça, c'était pour croiser, on croise, mais ça tout le monde comprend. Et au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, les gestèmes font leur apparition dans des pratiques qui n'existaient pas. Donc ça veut dire que je pense qu'il faut approfondir cette piste. Et je donne trois perspectives. Tout d'abord, devant ce constat, il va falloir affiner l'analyse qui va des gestèmes à ce qu'on appelle nous les praxèmes, c'est-à-dire toute cette communication, toute cette interaction qui ne passe ni par des gestes, ni par le verbe, ni par la parole. Hein, c'est cette espèce de langage silencieux qui circule entre les basketteurs, les footballeurs, et qui font que certains se comprennent,
Certains sont intelligents dans le jeu et prennent les bonnes décisions, et d'autres ne comprennent pas ce que font leurs partenaires ou leurs adversaires. Donc il faut, à mon avis, aujourd'hui, préciser le lien entre Gestel et Praxair. Alors, c'est quelques pistes avant. Deuxième chose, c'est approfondir l'étude de ces fameux Gestel arbitraires. Je me suis rendu compte qu'au volleyball, en interrogeant des spécialistes, en fait, dans les équipes, il y a une articulation. C'est-à-dire que certains gestes se combinent, il y a des combinaisons de gestes. Doigts pliés ou pas pliés, doigts croisés, un seul doigt, deux doigts, etc. Donc il y a peut-être une analyse à faire certainement même de l'organisation interne de ces gestes arbitraires. Parce que ça peut devenir assez complexe. Mais en même temps, pas trop, parce que je vous dis, c'est très furtif, c'est très rapide. Donc ce n'est pas un discours qu'on tient, c'est juste un ordre. C'est juste un ordre. Et puis la troisième perspective, c'est de travailler sur des corpus précis. Les jeux du type basket, handball, football, sont des jeux à flux continu, je dirais. Donc l'utilisation des gestes est assez limitée. Il y en a peu au football. Il y en a sur coup de pied arrêté, comme on dit. Un coup franc, un corner, hein, on monte le premier poteau, on monte le deuxième poteau. C'est assez simple, premier poteau, deuxième poteau. Basket, c'est plus complexe. Les annonces. Volet, c'est plus complexe. Le summum de la complexité, c'est ce que j'ai appelé des jeux discontinus. Le baseball, c'est un jeu très segmenté. Un coup de jeu très court, hein. Ça tape, ça court et c'est fini. Ça tape, ça court et c'est fini. Nous, d'ailleurs, de ce côté-ci de l'Atlantique, on ne trouve pas un grand intérêt parce que ce sont des pratiques qui sont très hachées. Mais comme ce sont des pratiques qui sont très hachées, l'ordre, le geste, extrêmement important puisqu'il commande toute la stratégie. Il commande toutes les prises de décision des joueurs. En un geste, il y a toute la stratégie. Baseball et football américain. Alors peut-être que là, on pourrait faire une distinction, excusez-moi, j'y ai passé, entre les jeux qui se déroulent en quelque sorte en flanc continu et les jeux qui sont très segmentés et que j'appellerais, faute de mieux, des jeux discontinus. Voilà, merci, excusez-moi. J'ai moi aussi été un peu long.